Salut les amis, salut la famille. Je suis Dieudonné Fonga, l'homme qu'on ne présente plus. Le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Oui, là c'est Maman FK. Salut, salut, là, salut. Voilà, là c'est Maman FK. Vous voyez comme ça, nous sommes dehors. Il est quelle heure là? Il est quelque chose comme 20 heures chez nous ici au Cameroun. Mais pendant qu'on était assis ici dehors, il y a une idée qui m'est venue et j'ai décidé de partager avec vous. Vous savez qu'à chaque instant, quelque chose que je sais que ça peut être utile, je balance. J'ai tellement de choses dans mon ventre. Écoutez, j'ai tellement de choses dans mon ventre. Tout ce qui peut vous être utile, nous allons vous partager. Ok, avant de commencer, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et comme je vous dis toujours, ne manquez pas de partager mes vidéos. Parce que quand vous partagez, vous m'aidez et vous aidez le monde entier. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ce conseil. Ne garde pas de cette astuce. Ne retiens pas. Ok? Donc, likez. Et si vous avez vos questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Là, ce soir, j'étais assis tranquillement là avec Maman FK. Nous étions en train de prendre un peu l'air du soir. On se détendait. Elle vient même de finir de manger un lapin. Où est ton cul-dent, ma chérie? Où est ton cul-dent? Pourquoi tu es caché? Il faut curer tes dents. Enlève le lapin dans tes dents. Elle ne rit pas avec la viande du lapin. Mange. Oui, quand nous, on élève, on mange. Ce n'est pas le poison. On mange. Source de protéines. Bio. Et nous, on mange le lapin bio. Voilà, elle a commencé à se curer. Elle enlève les dents. Quand elle a vu la vidéo, elle voulait se cacher. Moi, je suis free. Je ne me cache pas. Pas d'hypocrisie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? S'il vous plaît, les amis, je veux parler des mâles. Je veux parler des mâles reproducteurs. OK. Apprenez à bien utiliser vos jeunes mâles reproducteurs. Mm-hmm. Surtout les jeunes mâles reproducteurs. Apprenez à bien les utiliser. Plusieurs personnes ont le problème d'accouplement de lapins dans leur ferme à cause des mâles reproducteurs qui sont jeunes. Quand vous avez un jeune mâle reproducteur, faites attention. Vous risquez d'avoir beaucoup de lapins avec lui en accouplement, si vous ne maîtrisez pas ceci, beaucoup de problèmes avec lui. Apprenez à comprendre le langage des lapins parce que le lapin parle. Quand vous avez un jeune mâle reproducteur, sachez que c'est un poltron. C'est un peureux. C'est un timide devant la femme. Il y a les mâles reproducteurs. Les jeunes mâles reproducteurs sont des poltrons. Ce sont les timides devant la femme. Oui, il y a toujours les timides partout. C'est pas ça, maman FK. C'est ça, c'est ça. Voilà, il y a les timides partout. Voilà, comment vous devez donc faire pour bien utiliser votre mâle reproducteur? Alors, quand vous avez un jeune mâle reproducteur et que vous voulez l'amener en accouplement, ce que vous devez faire, c'est celui-ci. Prenez le mâle reproducteur, le jeune mâle, je parle plutôt du jeune mâle, mettez-le dans sa loge. Et quand il est dans sa loge, ne commettez pas l'erreur de l'amener aussi une jeune femelle. Voilà, ne l'amenez pas une jeune femelle. Amenez-la une femelle expérimentée, une femelle qui a déjà mis bas. Une femelle qui a déjà été accouplée. Une femelle qui est habituée à l'accouplement. Une femme qui connaît ça. Hein? Mm-hmm. Amenez-la une rodée, comme on dit souvent, une ancienne. Mm-hmm. Celle qui connaît. Voilà. Dès que vous allez amener, quand elle est dans la période réceptive, quand elle va entrer dans la loge du mâle, elle sait que c'est le mâle. Même si c'est un jeune mâle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va immédiatement bien se positionner et elle va lever son postérieur. Et le gars qui apprend seulement, le travail sera facile pour lui. Et l'accouplement sera facile, vous n'aurez pas les maux de tête. Mais si vous amenez une jeune femelle au jeune mâle, ça sera compliqué. Il ne comprend pas l'anglais. Il y aura la bagarre. Souvent, le gars va fuir parce qu'il est timide. Souvent, la femme va fuir. La femelle va fuir parce qu'elle est timide. Les deux ne se comprennent pas. Ils ont peur. Ils se découvrent. Ils ont encore peur des choses. Ils ont encore peur. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez bien ce que je dis? Mais quand vous venez avec une femelle qui est déjà rodée, une ancienne femelle qui met bas, qui a appris à l'accouplement, voilà, le mâle n'a pas de problème. Elle se positionne bien et le mâle fait le travail. Donc, apprenez à bien utiliser vos mâles. Quand ce sont les jeunes mâles, sélectionnez les mâles, les femelles qui ont déjà été accouplées une ou deux fois pour les amener. N'amenez pas toujours les jeunes femelles. Il peut arriver que vous amenez une jeune femelle et la couple, mais c'est souvent compliqué. Alors, pour tous les débutants, apprenez à bien utiliser, à bien manipuler vos mâles. À bon entendeur, salut. Pour tous ceux qui ont besoin de la formation dans mon livre, j'ai des livres sur l'élevage de lapins. Écrivez-moi
et vous allez prendre le vôtre. J'ai le groupe Telegram de formation de suivi des éleveurs de lapins, les jeunes éleveurs de lapins. Alors écrivez-moi via le numéro WhatsApp que je laisse toujours dans la barre de description et je vais vous servir, ok? Si vous avez besoin de quelques services que ce soit, d'accompagnement, de formation, de coaching ou quoi que ce soit, ne manquez pas de m'écrire. D'ailleurs, voici mon numéro WhatsApp par lequel tu vas m'écrire. Plus 237 677 63 91 74. C'est ça, maman Fka, tu répètes le numéro? 677 oui. 63 91 74. C'est ça, vous avez bien entendu. Ne manquez pas de nous contacter, nous sommes là pour vous servir. Surtout en attendant, lancez-vous les amis, lancez-vous, achetez les lapins, lancez-vous. Achetez les lapins, formez-vous, achetez les lapins, lancez-vous. Formez-vous, achetez les lapins, lancez-vous. Lancez-vous. Peace out. Voilà.